Bonsoir. J'ai une petite vidéo que je prépare aussi. Oui. Nous avons préparé. Super. Place des Arcades et Place du Quinconce, de 14h à minuit. Donc il y aura plus de 300 jeux et jouets pour tous les âges, les enfants, familles, pour les joueurs avertis aussi. Il y aura un espace pour les tout-petits, des jeux de lancer, des jeux d'adresse, de stratégie, des jeux de groupe coopératif, une conférence gesticulée, des jeux de lancer, j'ai déjà dit. Il y aura aussi un manège à pédales, et puis à 19h30, il y aura un concert d'un groupe de rock local qui sera suivi par une soirée jeu. Donc, on invitera les gens à jouer autour de table. Voilà, on propose une buvette et une restauration bio et locale. On attend à peu près 400 personnes pour cet événement. Voilà, c'est une première, donc on espère que les gens viendront nombreux. Vous nous redites la date peut-être ? Le 27 mai. Parfait. Samedi 27 mai. Et on a des flyers à l'entrée où la date est déjà marquée dessus. Et voilà, ben, on a plusieurs partenaires quand même sur cet événement. Déjà, on a une équipe d'au moins 20 bénévoles très, très investis qui nous aident beaucoup. Et puis, sachant qu'on est tous bénévoles dans cette association. Et on a aussi des partenaires comme le Crédit Agricole, qu'on remercie beaucoup la Caisse de Lui pour son soutien. La Maison Familiale Rurale qui va faire des goûters qu'on offrira aux enfants de moins de 11 ans. La Fontaine d'Hannibal qui nous finance du matériel pour fabriquer des jeux en bois pour l'événement. L'AFB, l'Association Familiale des Parmi, la Mutuelle Petite Enfance, et aussi fortement la mairie de Buis qui nous laisse occuper la place, qui les services techniques qui sont très très présents depuis le début du projet. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis là. Vous travaillez sur la recherche de jeux disparus, de vieux. Alors, on une émission là-dessus. On a des jeux anciens et traditionnels. Après, on est aussi fortement investi dans les nouveaux jeux, puisqu'ils sortent plus de 800 jeux par an. Plus de 800 nouveaux jeux. Donc, on était au Festival international du jeu à Cannes le week-end dernier pour découvrir les nouveautés ludiques. Mais on a aussi des jeux traditionnels et pour nous, c'est important d'en fabriquer, puisque ma partenaire de création est même ici. On fabrique les jeux qui sont là, ont été fabriqués les deux derniers par nos bénévoles. Eh bien, bravo. Applaudissements. Bravo. Merci aussi de nous avoir amené un échantillon de tous les jeux que vous avez pu faire déjà permis à beaucoup de pratiquer avant d'âger. C'était vraiment sympa. Les jeux d'adresse. On sera dimanche après-midi à Buis-les-Baronnies pour une animation gratuite de 14h à 18h. Salle Gigi Coupeau, si jamais. Et le 11 à Moulin. Et le 11 mars à Moulin. Maintenant, je vais attaquer.